doubt you. El profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, slips, slipping, speaking in tongues. Sly Ink, GVA, that's how we get it done. 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 Sly Ink, GVA, that's how we get it done. Wanna try to battle rap. Snap, crack a pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Yo, allez, on va y aller. On va continuer, je ne sais même plus. Ah oui, putain, on était sur Niflheim. La planète glacée, le monde glacé plutôt. On va continuer. Ouais, j'espère ne pas mourir 50 fois au même endroit, ça serait bien. Bon, ça, c'est pas dit. Ouais, il parle de quoi ton devoir là? Que je rigole un peu. Avec le truc géant. Ouais, c'est ça, avec le truc géant. Là.
C'est toujours aussi long. C'est un truc qu'on changera pas au jeu. Des maths sur les nombres premiers. Sur les nombres premiers. Les nombres premiers, c'est quoi? C'est 1, 3, 5, 7, 9, c'est ça? Là. C'est bon. Ah ok. Putain, faut sortir. Bon. Ok. C'est vrai que j'ai toujours ce truc là qui me poursuit là. J'avais oublié cette histoire. Ouais, j'étais pas allé là, si, je me souviens plus. Attends, il y avait... Je me souviens plus. Alors, je crois qu'il fallait descendre. Ok. Je me souviens, c'est bon. On va courir un petit peu. Bon, en vrai, c'est un peu casse-tête, mais moins que l'autre jeu, non? Ouais, non, c'est pas casse-tête, là, c'est le timing, en fait. J'arrive pas à trouver le bon timing pour me barrer. Mais c'est pas vraiment casse-tête. Ça passe. Vas-y, cours.
suis sûr que j'ai dû oublier des trucs. Je suis sûr que j'ai oublié des trucs, mais bon, c'est pas grave. On reviendra peut-être plus tard. Allez hop. Il veut ta mort. Ouais, mais grave, il veut me bouffer en fait. Il veut me bouffer. Mais il n'y a pas moyen. Donc on se casse, on va aller dans une sur une planète où il fait un peu plus chaud, j'espère. Parce que là, on va dire, mais on se gelait le cul. Of research, there's an elevator that you can take to me on floor B1. I've marked the elevator so you can find it with your sight. There's probably a lot of things to explore in Absolute Research, but don't stay for too long. Don't insert the key into the tablet until I've analyzed it. Please hurry. Mais ouais, laisse tomber, c'est des orifices. Je le sens un peu comme Alien, là, ce coup-là, là. Allez, petite sauvegarde. Toujours aussi sombre. Hein. C'est vrai qu'il y a une ressemblance à Alien. Ouais. C'est pour ça que je regarde les plafonds. Je me dis, attends, il y a un truc qui va me tomber dessus. On y croit, on y croit. Je suis dans un bourbier.
suis foutu. Je suis foutu, j'ai plus envie d'y aller. Bourbier, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je suis dans une merde. Oui, je veux ouvrir la... The hammer is powering the entire facility, and it's more stable than anything else of this strength. Even the power cells charged with it has a huge amount of power. We've decided to call the power Atrium, after the creator of the hammer. Not only does Atrium have the attributes described by Henrik, it also has a lot of magical potential. I don't know how to describe the phenomena scientifically. Avec le tube, tu l'as déjà, non? Ouais, ouais, grave. Ah, mais quand même. When it was wielded by Thor, it must have had an enormous destructive capacity. No wonder the gods are described as feared by everyone in the Nine Realms. Ok, on va rencontrer Thor, je vais prendre un éclair. Merci, au revoir. J'ai plus envie de sortir de la salle. Puis il faut que j'aille là-bas là. Prochain, tu te fais grailler par le truc qui te suit, il va arriver du plafond. Non, il arrivera pas du plafond, je vais pas me faire grailler. Il n'y a pas moyen. Bon, ça va arriver, hein. C'est sûr, ça va arriver. Obligé, ça arrive. Je le sens pas du tout. Mais alors, pas du tout. Son Thor, the god of lightning.
We have also found proof of the existence of the immortal Baldur and Freya, the goddess of fertility. And we have some leads on Hel, the goddess of death. Mimir, the keeper of the Well of Wisdom. And Loki, the god of mischief. But that one worries me a bit. Okay. Maintenant que tu m'as parlé d'Anine, j'ai envie qu'un truc sorte du plafond et te graille. Ouais. T'as qu'à regarder YouTube. Tu verras dans Alien, je me fais bien bouffer. Je suis cuit si ça arrive maintenant. Oula. Ça a mis du temps. Yo Charles, comment ça va? Je suis foutu. Je connais pas ce jeu, dommage, il a l'air bien. Ah ouais, bah franchement, il est bien. J'ai un truc qui me poursuit un peu à la Alien. Mais comment ça va, il est bien. Juste le truc qui me poursuit là, c'est pas cool. Quoi, ça excite la musique là? Ah bah non, j'aime pas, alors c'est pas cool. Ah. Faut juste que j'aille savoir là où il y a des dieux là. Déjà tout à l'heure on était sur le Niflheim. Mythology research, note 3. The information me and Henrik has unearthed is just as astounding as mentioned in the previous notes made by Henrik. One thing I just had to note was a story depicting an enormous wall built to protect Asgard from the outside world. The story talks of the gods making a wager with a giant. The wager was that if the giant could finish the wall within a set amount of time, he could marry the goddess Freya. However, when the giant was almost finished, the gods cheated. And to add insult to injury, Thor crushed the giant's head with his hammer. This wall that is described in the Younger Edda doesn't seem to be a wall at all. It's a statue capable of shutting out the roots of Yggdrasil and opening them to the one in control of it. I fear that this statue is exactly what we have here in the facility. The Absalof. Ouais, c'est bien, c'est parce que vous regardez. J'ai pas envie de mourir, ou alors faut que je trouve un point de sauvegarde, là, ça serait bien, là. Un petit point de sauvegarde.
Oh, y a des crânes. Ils sont sérieux, les gars, là? Pas envie de faire de bruit. Tu ressembles à quoi? Dans le jeu là, je suis une c'est une meuf. Bon, elle a un bras en acier parce qu'elle s'est fait arracher le bras au début du jeu. Verrouillé, merci. Il y a un de mes potes là-bas. Et mince. Ok, va-t'en, c'est bien. En fait, on est une sorte d'expérience. C'est un peu chelou l'histoire. En fait, on a été réveillé par une sorte de robot un peu maléfique. Can see on a spectrum that is invisible to mere mortals. And with artifacts and knowledge brought home from Vanaheim, Henrik has managed to infuse this magic into an augmented reality implant, making the spectrum visible to the user. And this is an amazing leap forward to unlock the secrets that these worlds are holding from us. Ah mais ils vont faire qu'une bouchée, hein. Déjà que je me suis fait bouffer au moins 3 fois tout à l'heure là. Ben, la dernière fois. Voilà, c'est bien là. Voilà. Voilà. Ok, il va falloir que je descende. Bon, il va falloir que je descende. Mais ça ressemble un peu à une arène, son machin. Ah, il y a un truc pour sauvegarder. Il y a un truc pour sauvegarder là-bas au fond. Ah ouais, t'es pas mort, peut-être. Il ressemble à quoi ce dieu? C'est un géant de glace. Bah, c'est à regarder les Avengers. C'est la même. Bah, pas les Avengers, mais les Thor. Before attending the first interviews,
Most of it mixed, as is usually the case of enterprises built around the ideas of single, eccentric individuals. But the way people spoke about it, it sounded more like some idealistic crusade rather than a scientific excursion. Perhaps that's why I took the job, to begin with. To disprove the pseudoscience proposed by others working on the logical puzzle that is the Absolov. From the beginning, I have treated this as a natural phenomenon, and I will not simply believe. In time, we'll find an explanation for the Absolov's existence. By then, I hope the fool spouting paganistic nonsense will be a long way from here. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Par contre, je vais faire comment pour sortir là? Je peux pas le prendre ça? Oh, on peut pas le prendre. Putain, c'est con. Il est où? Il est où Je me casse. Putain, il est là-bas. Ok. C'est quoi cette musique de poupée tueuse? Ah, eh bien. J'ouvre une pièce, y'a rien d'intéressant? Non. Faire quelque chose avec ça là? Pas rien faire. Ce truc. C'est quoi ce truc? Il y a des mini zombies maintenant. Il est passé où? T'as pas vu? Oh putain, t'as bien de la chance.
Le truc qui se balade un peu comme les gamins dans Days Gone. Ouais. Mais attends, j'ai changé de salle ou quoi? Je sais pas où je suis. Ok, j'étais là. Par contre, je vois plus. C'est flippant là. J'ai revu mon pote, c'est bon, je sais où je suis. Je vais continuer à faire le tour des portes là. Parce que là, faut que j'aille ici. Hein. Mais bon. Pourquoi un truc? Oh, bah, j'en sais rien du tout. Oh, tu me poses une question. Oh, tu l'as entendu? Alors ça, je sais toujours pas à quoi ça sert. La question que tu sais pas et que t'as pas envie de savoir. Ah, c'est à peu près ça, ouais, Flamme. C'est à peu près ça, c'est à peu près l'idée là. Ah. Bon. Ok, j'ai plus de trucs pour recharger. Donc là, pas le choix. Oh, j'ai entendu un bruit, je suis remonté direct. On a secoué, on avance. Ok, j'ai plus rien. Je peux plus voir les portes. Je suis foutu.
Pire, là, c'est pas grave. Là, si je me fais bouffer, c'est pas bien grave. Là, si on se fait bouffer, c'est... Mais franchement, c'est super dur à voir les portes avec... Ok, ok, j'ai compris, c'est par là. Oh, il m'a mis des dessins de partout. Bon, bah, j'ai compris, allez, c'est bon, c'est bon. Je prends l'ascenseur. Waouh! Waouh! Oh mon cœur, il a failli lâcher! En tout cas, il a une sale tête, hein. Il a une sale tête, le bordel. Ah, ton cœur, il a... Oh, mais même moi, oh, comment je m'attendais trop pas à le voir. Sauvegarde, sauvegarde. Ah, entrer un code. Je vais pas encore y aller. Ça c'est pratique. Oh, les distributeurs. C'est pas une bonne idée. On peut ça. Ah ouais, ouais, grave. Non, mais je m'attendais vraiment pas qu'il soit derrière. Ok, ok, ok. Dr. Anderson brought an artifact holding an engraved sphere and some form of magnetic energy field. The text delivered with the sphere suggests that it's a soul stone, something meant to replicate and store the soul of any higher being. There are accounts of time anomalies and split realities, but they are impossible to read at the time. Okay. Fait toujours plaisir, hein. On récupère. Oh, mais maintenant. Oh. Ah, mais c'est ça qui me cherche. Hein. C'est pas. Imagine. C'est ce truc-là qui me cherche. C'est sûr. Mais en même temps, il avait une sale tête. Hein.
Ouh, il avait une sale tête, le truc. Tu sais qu'il a pas mangé, ça fait bien un demi-siècle. Ah ouais, non. Ah, il y a un problème électrique, ça marchera pas. Suite à un problème électrique, oh, il avait l'air plus petit alors dans la. Ouais, mais à mon avis, il a dû bouffer quelques bonhommes là qui pleurent là, un peu noir là. Donc à mon avis, il a grandi, hein. Moi, ça me fait flipper maintenant les portes qui s'ouvrent. Taking the first step in my plan to save this world of ours. Full phone plans. Yes, but now there is much I have to show you, and time is of the essence. At the end of the hallway is a room. The key code is 3425. I'll direct you once you've entered the room. Il a dit combien? Leave questions for afterwards. Now go, 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 go. Questions? Where do I even begin? 3425. Ok. Ouais, bah alors il faudrait que le bestiau il arrive à me suivre et que je l'emmène là-bas. Autant dire que j'ai pas envie qu'il me suive le truc ou qu'il me trouve. Donc 34, 25. Dans la pièce, voilà, ça c'est bon, c'est fait. Ok, oh, je suis à 2,50 m de la porte. S'il te plaît, pourquoi tu t'ouvres? Ah, bah, s'il devient énorme, essaye qu'il va. Il va t'écraser. Il va se servir de moi comme cure-dent. Ça c'était l'apéritif. This clears a lot of things up for us. Thank you for bringing the key back. You're welcome. And thank you for fixing my arm. Yeah. I assume you have no memories of your past, and I bet you're wondering who you are. Well, so am I. But I'm locked out of the facility's main database at the moment, so if we make a quick detour, then... Henrik! Thousands are dying every minute, and you're talking about detours? We need to know, Sarah. I need to know what happened to her. Don't put the girl through any more than she has to, Henrik. Don't make her do this. We have to figure this out. The emergency system severed the connection between most of the systems and the base. You need to go to the medical research facility and approve a remote link to grant me access to the information we need. I would do it myself, but... I'm not strong enough. I'll show you everything you need to know on the way.
Attends. Il est pas assez fort, mais il envoie quand même une meuf faire le taf. Il est bien, lui, hein. On sent l'hésitation avant d'y aller, tu vois. Verrouillé. Mais pourquoi tu devais... Pourquoi vous êtes verrouillé? Ah, je vais pas là-dedans. Ah, c'est hors de question. Hein. Ah, je vais pas dans l'eau. Hein. Hors de question. Je vais pas dans l'eau. Hein. Dans l'eau, il y a toujours une bestiole qui traîne. Il a pas envie de crever, je le comprends. Ouais, mais bon, quand même. Porte tes coronesses, hein. Désolé, hein. Je fouille un peu. J'aimerais bien trouver une arme. Ça serait cool. Comment ça sent le traquenard? J'ai rien vu, j'ai juste entendu. C'est même pas un bruit de grognement, on aurait dit qu'il y avait quelque chose qui a sauté dans l'eau. J'ai fait une connerie. En fait, dans chaque live, ça change pas. De quoi que je fais dans chaque live?
Monte. Stop. Il peut pas nous avoir là. Là, il peut pas nous bouffer. Ben, moi, j'espère. Des conneries. Ah, l'enfoiré. Je fais pas de conneries. Je me trompe de bouton généralement. Artifacts clearly emits energy fields that could be a potential long-term health risk. The statue in the center of the facility has hundreds of people walking by it all day. Not to mention the gigantic hammer that was carelessly placed in a room where serious scientists, including myself, are working unprotected right next to it. My PDA tablet was low on battery this morning, but when I got back to my quarters, the battery was almost full. This just can't be right. Tu veux vraiment ouvrir tous les casiers que tu trouves? Ouais. Ah ouais. Si, imagine, j'ouvre pas un casier, il y a un fusil à pompe. Un fusil à pompe ou le marteau de Thor ou. Ah ouais, en fait c'est coupe-gorge leur truc là. Oh comment j'aime pas les tuyaux. Bon, déjà, on a vu... qui pouvait pas rentrer, ce qui est déjà une bonne chose vu comment il était gros. Ça m'étonnerait qu'il rentre là-dedans. Il faisait la taille de l'ascenseur. Toujours vérifier les plafonds. Béaba de la survie, vérifier les plafonds. Quand tu veux recharger aussi un truc, se mettre dans un angle. Comme ça, tu vois ce qui t'arrive. Imagine qu'il y a un mec dans le casier. Ouais, bah, je crois qu'on en a déjà vu un mec tout à l'heure. La dernière fois. Donc, c'est pas les mecs là qui me font peur pour l'instant. Là, par contre, il est assez gros pour passer.
Ok, déjà j'ai plus de chances d'arriver à ouvrir les portes. In the floor ahead of you, there's a battery. In case of a facility-wide power failure, they can be charged to power equipment in smaller areas. Jangreper has the ability to remotely charge these batteries with large and small bursts. When you're done with it, you can just take the energy right back, like any power station. This will make the area go dark again. J'ai rien compris. Il n'y a pas de casier là. J'aime bien les casiers. Ouais, non. On va d'abord ouvrir les portes avant d'ouvrir ce truc là. Ah. Je sens que le dernier truc là, ça va pas le faire. Je sens qu'ici ça va pas le faire du tout. Je dis ça, j'y arrive du premier coup. Bon, en fin de compte, c'était juste pour récupérer. Je crève, ouais, y'a rien pour l'instant. Tant mieux. Y'a pas, je sais pas, y'a pas un truc de contrôle. Ok, c'est cool ça. Attends. Ok. Fallait que je fasse ça pour déverrouiller.
That thing stopping your path is a wraith, a ghost of a lurking giant. It's time to show you the weapon in Jarngreipr. The last level, right before it overloads, is used to destroy evil magic. But be wary, different creatures will react differently to the power, so be careful when using it. Use the large atrium burst to destroy the Jotun wraith that stops your path. Bouge pas. Mais c'est tout. D'accord. C'est cool d'avoir un... Pourquoi ça ressemble à un corps? Ouais, je sais pas. C'est un Jotun. Don't forget that while you're charging the arm, you can cancel the charge at any time to avoid overloading it. traquenard géant là, votre truc là. Ah ouais, d'accord. J'en ai plus. Je suis foutu. Restons perchés. C'est le meilleur endroit pour se faire tuer. By the gods. I see that ahead of you, there's a whole lot of vermin. The myth describes them as trolls. We accidentally brought them back from Midgard on an expedition to retrieve a mythical harp from a magical creature which we destroyed. Back then, they were blind, but when they started spreading here, they evolved, and now they aren't blind anymore. And they're aggressive and fast. Always be ready with the large pulse of Jarngreipr. De quoi? Je vais bientôt mourir. Ça, c'est sûr et certain.
Ton live, un livre et Fast and Furious. Ah, c'est le numéro, c'est le 6. Ils sont sérieux là? Allez, recharge-toi plus vite là. Oh, c'est génial hein, les cris au loin. Ils sont cool hein. Du kiff, j'ai pas de lumière au pire endroit quoi. Si le point de Kachan est toujours pas mort, ouais. Attends deux secondes, j'arrive. Attendre que ça charge au max.
Wow, moi je suis rentré à reculons. Oh yes. Moi, je sais pas ce qui s'est passé. Ils sont rapides, les... Ah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Vas-y, t'es où là? Vas-y, je vois une lumière disparaître. Oh, tu sais même pas comment. Oh, mon cœur, il a fait un tour. Vas-y, il est où, Gollum, là? Viens là. Restez sur les escaliers, sur l'échelle, là. Oh, j'ai le doigt prêt à dégainer. J'aime pas trop, il n'y a qu'une porte. Et en plus, c'est des portes qu'on peut pas fermer. Il y a un truc pour sauvegarder là. Henrik, what am I looking at? That is the source of the power you are wielding, and the thing powering the whole facility, Mjolnir, the hammer of the gods. You can charge young vapor on the energy outlet on the hammer, and don't forget your portable power cells if you end up without power suddenly.
after this, you might lose connection since you're going to the upper level, so good luck. Sérieux, il m'a dit bonne chance? Enfoiré. Ah ouais, normal, ils se baladent. Il parle du marteau de Thor. Ouais, mais c'est un sacré marteau. Non, c'est le là. Il a dit que je pouvais recharger quoi? Mon truc sur le marteau là? Là c'est fermé. Ah là. Ok, ok, ok. Nice. C'est bon. Bon, j'espère parce que j'en ai tué un, ils vont pas tous se pointer. Parce que ça met un peu de temps à charger le truc là. Gollum, reste à ta place. Oula. Activer le verrouillage du niveau inférieur. Vas-y, active. Je sais pas ce que ça a fait. Mais ça l'a fait.
faut qu'il vienne plutôt. Ouais, bah, tranquille, hein. Ah. Ok, ça veut dire quoi? Je peux pas savoir. Bon. Je le sens moyen, mais bon. On y retourne, hein. Vas-y, recharge, 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 dépêche-toi. Merci. Ok, c'est par là où j'étais allé. Ah, quoi? Il est sérieux? J'ai loupé. Soixante-treize, super, tout ça pour le code. Mais il y en a plusieurs, flammes, c'est ça le truc, c'est qu'il y en a plusieurs. Il y en aurait qu'un, ça va, mais il y en a beaucoup. C'était quoi le code? Je me souviens même plus.
Je l'ai vu. Non. Quoi? Au revoir. Ah bah c'est nickel qu'il y en ait plusieurs. Ouais, non. C'est pas trop nickel, mais bon. Vas-y, recharge-moi ça, là. Faut que ça soit plein pour le faire. C'était quoi, déjà, 4673? Allez, vas-y, mais non, mais... Ah ouais, mais ça met trop de temps à charger. Comment ça met trop de temps? Je vais... À mon avis, là, ma vie, je suis pas bien loin de mourir, là. Ok. On se rend à la recherche médicale. Parfait. Henrik, are you there? Qui sont bien. Putain, franchement
Ouais, je pourrais montrer ça. Hein. Day 30. The subject is growing at an alarming rate and has already doubled in size. It also exhibits minor cognitive abilities, emotions on the level of an older child, and something that seems to be memories. Day 83. The subject is very drawn to the female from the human trials. She is not yet conscious, but the subject is very keen on staying close to her. Almost like he's guarding her. Day 95. The creature is growing and is getting harder to contain. The subject went on a rampage when he discovered that the female was moved during the night. After destroying the holding area, he was sedated and moved to a location closer to the female. If growth doesn't cease, termination of the subject might be necessary. Ok, donc la grosse bestiole qui est en train de me chasser là, tu vas me dire qu'elle voulait prendre soin de moi. J'en doute, j'en doute. Il y a ça là. On va d'abord aller visiter. Voir si je peux aller sauvegarder quelque part. Sans me faire bouffer. Ça serait sympa. Attends, c'était pas ouvert ça. C'est plus coloré déjà, ou sans plus, hein. Mais je me méfie. Je me méfie grandement là. Oh. Plus de lumière. On va attendre que la lumière revienne. Vas-y, laisse tomber. Laisse tomber. J'ai cru que c'était un monstre. J'ai cru que c'était un monstre, les flammes là. Ok, sauvegarde. On est sauvé. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de carte. Ça, c'est un peu chiant dans le... Vas-y, rends-moi mon énergie, s'il te plaît, là. Ah ouais, merde, putain, j'ai déjà tout... J'ai déjà utilisé. Il y a un truc, là. Il y a un truc, c'est obligé. Je sais pas où il est... Thank you.
Mais bon. J'aimerais bien me voir Thor. Me dire, bon, écoute, tu veux pas me prêter vite fait ton marteau là, en miniature. Soyez gentil avec moi, s'il vous plaît. Y a rien à foutre. Je reviens. Je reviens. Je vais aller vite fait. Ça t'arrangerait si tu croises ton... Ah ouais, mais de ouf. Je dis, prête-moi ton marteau, j'ai quelques pucerons à éclater. Pourquoi ça l'a pas tué? Allez hop, ciao tout le monde! Salut, ça va? Au revoir. C'est tendu là cette histoire là, c'est grave tendu.
Ça balade dans les couloirs sympa. Ouais, cool, hein. Saleté, là, c'est saleté. Wouah, vas-y, bouge. What? Ouais, c'est bon. Allez, viens, vas-y, viens, allez, viens, viens, salut. Jouer à partir du point de sauvegarde. Eh ben non, ça sera la fin. C'est la fin du stream pour ce soir. Merci à ceux qui étaient là, ceux qui sont passés. Merci Flamme d'avoir été là, d'avoir espéré que je meure. Merci beaucoup. Hop là. Menu principal. Mais de rien, ouais. Après, pour. Tu m'as dit, ouais, des jeux. Ouais, j'ai obtenu des cartes. Ok. Ok, c'est cool. Après, ça dépend ce que t'aimes comme jeu aussi, Flamme. Pas bouger. C'est quoi ça? On explore des produits annexes du tag dans ta vidéo et puis c'est un peu en vidéo. Ok. Allez. Après, bah, faut que tu regardes hein, ce que t'aimes bien et tu peux prendre. Hein. Après, faut savoir si t'as un bon PC ou pas. Ça y est, que toi qui pourras le dire. Là, elle est gratuite. Elle est gratuite. Hein. D'accord. Bah, t'as regardé quoi comme jeu? Bah, dis-moi, on va regarder. Rover mécanique, ouais, non, pas ça. Non. Après, faut voir ce que t'aimes comme jeu et. Après, t'as souvent des avis sur les jeux et tout. Donc moi je les ai pas tous faits non plus hein, mais celui-ci là Is of Lambo. Alors ça donne quoi? Oula.
Ok. Ah, ça peut être marrant à jouer ça. Ok. Ouais, ça peut être marrant à jouer. Escape Room. J'avais fait un truc comme ça, j'avais fait un live comme ça sur un escape room. Après j'en ai un autre, je sais pas lequel. Ok. Moi j'aime bien ce genre de jeu. Les escape games et tout. Été 2020, bah il est sorti il y a pas longtemps. Par contre, il y a quoi? Ah, un peu de gameplay, ok. Vas-y, donne la solution, on dira. Il est con, lui. C'est pas mal aussi les escapes. Ouais, ouais, moi j'en ai fait un style Minecraft. C'était. C'était. Je sais plus où il est. Escape, 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 escape. Mass of Escaper, non. Je sais plus où il est. Truc de fou. Ah mais je suis con, il est là. Escape from Kyoto House que j'ai fait. Oh c'était bien marrant. Bon il y avait du monde pour m'aider, mais c'était bien marrant. Moi il y a quoi? Zoo Animal Park, quoi, ça c'est. Insidious Escape. Après, franchement, c'est vraiment au feeling hein, les jeux. Hein. Tu joues à Minecraft? Non. Là, si je fais du Minecraft, il n'y aura qu'un mode de jeu, ça serait Loup-Garou. Comme un peu comme il a fait, comme il faisait Squeezie. Que j'ai bien kiffé. Mais autrement, non, non, pas de Minecraft. Oh, parlant de ça, je vais regarder un truc en même temps sur l'Epic. Je l'avais pas ouvert l'Epic, vraiment. Après, il y a pas mal. Il y a celui-ci. Hein. Celui-ci, j'ai bien envie de le faire. J'ai bien envie de le faire en live, mais je crois que c'est un truc à plusieurs, donc ça pourrait être marrant de le faire. À voir. Rocket League est devenu gratuit. Comment ça Rocket League il est devenu gratuit? Rocket est gratuit.
MDR. Il est gratuit sur quoi? Sur l'Epic? J'avais un truc collé sur la joue. Hein. Nouveau Rocket League en version gratuite. Ah ouais, MDR. Et recevez un bon. Ah ouais, c'était après. C'était jusqu'à hier. Tu recevais un bon 10 euros. Tu téléchargeais Rocket League. Surtout, je crois. D'accord. Ok. Path of Exile, ouais. Là, il y avait lui qui me tentait bien, là. Ah merde, c'est vrai que tu vois pas. Ouais, c'est bien. Il y avait lui. Bah, je vais prendre Rocket aussi. Pas con. Prendre Rocket aussi en même temps, ça sera cool. Ah ouais, par contre les piques qui rament. Hein. Les piques qui rament. Hein. Hop, j'accepte. Putain, je regarde mais je gèle en même temps. Comment ça tu gèles en même temps? Eros, je connais pas ça, c'est quoi ça? Tirer, faites tout péter ou piloter un avion dans la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Tom Clancy. Je l'ai sur PS4. Attends, je vais prendre Rocket. Ça pourrait être marrant, hop. J'ai froid, je tremble comme une feuille. Oh, mais mets-toi sous une couette ou je sais pas. Hein. Ou alors c'est parce que t'es fatigué. C'est surtout ça, à mon avis. T'as tellement flippé tout à l'heure en voyant le monstre, c'est pour ça. Allez hop, petit Rocket League. Vous venez de recevoir un bon de 10 euros. T'es sérieux? Un fantôme de moi. Oh. M'en fous, j'ai pas peur. Ok, j'ai reçu un bon de 10 euros pour parce que j'ai pris les. Ok. J'ai quoi déjà ici? Je sais même plus. Ah ouais, j'ai tout ça aussi en jeu flamme. Il y a tout ça aussi. Ça fait, tain, c'est World War Z qu'il faudrait que je fasse. Hein. Il faut que je trouve des gens là qui veulent bien jouer à World War Z. World War Z. Putain, j'ai pas arrivé à le dire. Ok, bah c'est cool ça, c'est cool. Hop. Ça fait deux petits jeux là. Roller Coaster et Rocket. Faudrait que je fasse du Rocket League, j'en ai jamais fait. Tu vas pas t'ennuyer au moins. Ah, mais grave. Avec tout ce que j'ai à faire en jeu, il y a de quoi faire. Et j'en ai autant sur PS4. Donc autant dire que couche, allez. Donc voilà, bon bah l'Epic, faudrait que je stream de l'Epic aussi. Mais ouais, celui-ci prends-le, il a l'air bien cool là, Desait, ça a l'air cool. Donc je verrai
pour en faire aussi. Il te fallait autre chose de flamme ou il y avait d'autres jeux que tu voulais voir? T'as un chien? Ouais. Ouais. J'ai un tout petit toutou qui fait 30 kilos. Donc voilà, monsieur. Si tu n'as pas d'autres questions. Mais le jeu, ouais, le dernier jeu, là, il avait l'air bien marrant, celui que tu m'as dit. Là. À voir. J'en ai un à peu près dans le même style. Bah, qui ressemble plus à. Je sais plus comment il s'appelle le jeu. À Ori. C'est à peu près dans le même style qu'Ori, celui-ci. Qui a l'air pas mal. Faudrait que je le fasse, je le tente. Bah, je sais plus c'est lequel. Mais c'est un truc avec des graphismes. D'accord. Ok. À voir. Bah, dès que tu as retrouvé le nom, tu me dis, hein, je regarde et je te dirai. Pas de soucis. Qu'est-ce qui lui arrive à l'Epic? Je t'ai pas dit de te fermer. T'es devenu fou. Il est devenu fou l'Epic. Donc voilà, allez hop, fermeture de l'Epic. Faudra que je fasse du. Ah, fera du Rocket. Ah, faudra que je joue avec des potes. Sur ce. Ouais, c'est cool, merci. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Flamme, bonne soirée. Dès que tu as retrouvé le nom, bah tu me dis. Nous, on se donne rendez-vous pas demain. Samedi. Samedi soir pour. Among Us. Donc ça va être bien marrant. Ce sera une découverte pour moi. Je vais essayer de pas me faire tuer parce que ce que j'ai vu la dernière fois là sur le live de Squeezie là, c'est égorgement à gogo. De toute façon, je mettrai, je ferai une annonce sur Twitter, sur Discord. Comme ça, toutes les personnes qui veulent venir jouer seront les bienvenue. Passez une bonne soirée. Des bisous. À bientôt. Ciao.